on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end. Alors, on va nous dire ici pour certains, on va parler que vous devez quitter votre zone de confort, que vous devez lâcher vos résistances. Voilà. Pour d'autres, on va nous dire qu'il va falloir abandonner, peut-être couper, trancher, renoncer, s'éloigner pour votre santé. Voilà. Donc, lâchez prise pour votre santé. Il y a peut-être une situation ici pour certains d'entre vous qui demande un éloignement, un renoncement, l'abandon pour vraiment que vous alliez mieux en fait, tout simplement. On nous parle ici que vous avez besoin d'une pause. D'une pause. Ça peut être bien évidemment temporaire cette pause. On parle d'une pause. On parle peut-être de lâcher prise momentanément pour que vous alliez mieux. Vraiment que vous arrêtiez de vous faire du souci, que vous arrêtiez d'être stressé, que vous arrêtez d'être peiné ou d'être triste par rapport à une situation. En tout cas, peu importe ici ce que vous ressentez, il y a quelque chose qui influe sur votre santé, soit physique, soit mentale. Voilà, et on vous demande ici une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Voilà, lâchez prise temporairement pour retrouver plus de santé. Parce qu'il y a quelque chose d'instable. Là, il y a une situation pour certains qui est instable. Donc, ça peut être une situation, peu importe le domaine, hein. On vous demande du coup là de faire une pause, mais momentanée, pour l'instant, de couper avec ça. On vous dit d'écouter votre intuition. Et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Écoutez votre intuition, nul besoin de s'inquiéter. D'accord? On vous demande juste, voilà, ce week-end, pour l'instant, peut-être un peu plus que ce week-end hein, d'ailleurs, hein, c'est pas quelque chose d'arrêté au niveau du temps. Mais on vous demande, pour le moment, vraiment
de vous mettre en pause par rapport à cette situation qui est instable. On va tirer une autre carte. L'espace du vide. Alors avec cette carte, l'espace du vide, on va vous dire, laisse le vide s'emparer de toi afin de créer de la place et d'avancer à nouveau sur ton chemin. Prends exemple sur ton corps. Pour continuer à manger, il faut que ton organisme digère, que de l'espace se crée pour pouvoir se remplir à nouveau. Ce processus est infini. N'aie plus peur du vide, synonyme de place disponible pour du neuf prochainement. Cette énergie est intarissable. Donne-toi le temps, en cette pause momentanée, c'est une pause momentanée, hein, comme un break. Donne-toi le temps de t'ouvrir à des moments de vide, de rien, afin de laisser ce qui te correspond réellement cheminer vers toi et remplir cet espace disponible. Si tout est constamment plein, rien ne peut s'opérer. Mais écoutez, c'est vraiment un message en cohérence avec tout ce tirage de ce week-end. Donc pour ceux à qui ça parle, merci de liker, de commenter et de partager également, puisque si ça peut vous aider, ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite un très bon week-end. Bien évidemment, faites une pause et réécoutez ce message qui est très profond par rapport à l'espace du vide. Je vous souhaite une très belle fin de journée et un très bon week-end. À bientôt.